voisin, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Tu prépares déjà les fêtes? Oui. Ah, ton poulet là, tu as payé ça à combien, voisin? À 8 000, maman. 8 000? 8 000. 8 000, le poulet, si? Oui, j'ai payé ça à 8 000. Mais les poulets sont devenus chers. Oui, c'est normal. C'est vraiment cher. Voisin, c'est trop cher, 8 000 francs. Je ne voulais pas que tu sois là. Parce que la comme c'est un peu celle-là, ça peut me faire un mois parce que ma femme mange trop. Bonsoir, voisin. Bonsoir, voisin. Ouais. C'est comment, voisin? Non, ça va. Ah. Voisin. Oui, voisin. Tu ne peux pas les fêtes? Oui, oui, voisin, je ne peux pas les fêtes. Tu voulais aussi ta part? Je voulais pas. Comme c'est cher là, papa. Non. Je ne peux pas payer le poulet si à 8 000. Non, moi, il paye ma part à 8 000. En tout cas, toi, tu es un homme. Donc. Je ne peux pas le faire. Je ne sais pas si tu peux aussi, t'inviter. Ah, il n'y a pas de problème, voisin. À tout à l'heure, non? Ok. Ok. Maman, les poulets sont devenus chers au marché. On sent que les fêtes, sinon, c'est le Mbunga qui va mettre que dans la marmite. À ça, avec le jassi, un poulet à 8 000. Moi, je ne peux pas payer un poulet à 8 000. Le jassi que j'ai vu là. Jamais. Ma fille, Mélina. Oui, ma. Il faut bien regarder. Mm-hmm. Et tu écoutes bien mes instructions à la lettre. Tu me suis, non? Oui, ma. Tu as vu les poulets ici? Mm-hmm. La vie est devenue très dure. C'est trop dur dehors maintenant. Hein? Oui. Nous sommes obligés de vendre ces poulets pour qu'on puisse s'en sortir pendant les fêtes. C'est ça, non? Oui, ma, c'est ça. Voilà. Si on ne fait pas ça, on va faire comment? Oui. Hein? Il y a le 25 qui arrive dans quelques jours. Et le premier, on va faire comment? J'ai même mes tontines, il faut que je parte rembourser l'argent des gens. Je dois vendre même 6 poulets ici, là. Et on mange combien? Ouais, laisse-moi d'abord. Tu me trouves la nourriture. Ça, c'est quel genre d'enfant, ça? Il demandait non. Quand tu dis qu'on va vendre pour ta tontine, et moi, on mange quoi donc? Bon, on mange alors, et moi, on me met en prison. C'est ça qu'il était en train de dire, écoute bien. Donc, on va vendre les 6 poulets ici. Mm-hmm. Tu vois, non, les 6 premiers là. Mm. Bon, je vais t'envoyer avec 2. Mm-hmm. 2 poulets. Mm-hmm. Tu peux donner à ton grand pauvre village. Il va manger avec ses ignames. Mm-hmm. Le reste, hein, mm-hmm, c'est pour le premier. Mm-hmm. Voilà, c'est pour rembourser mes dettes. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas s'en sortir. Mm-hmm. Tu comptes de la fois si tu aimes la nourriture, quoi. Hein? Moi, je suis dépassée. Mais il comptait pour savoir si c'est ça, non? Non, c'est un peu ça. Il est où? Et ça, danger? Grand maître. Ben, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Grand maître, je suis en train d'entasser ça, comme ça, les temps de fête. Uh-huh. Je veux que ça me rapporte un peu d'argent, comme ça, le 25 m'avait ce qu'elle est. Qui t'a dit que le sable paye en décembre? Tu vas vendre à qui? Tu vois, décembre est dur. Ah. Il y a un business dehors. Hé, de quel grand-mère? La vente des poulets. Les poulets sont chers sur le marché. Elle dit qu'un petit poussin comme ça, c'est rien du tout. 5 000 francs. Hé, grand-mère. Hein? Et ça, d'argent? Grand-mère, nous serons maintenant les vendeurs de poulets. Hé, oui. C'est le business, ça donne beaucoup d'argent. On ne va pas vendre à 5 000. On peut vendre Ninard même à 1500, 2000 francs. Ça va nous rapporter de l'argent. Plus que le sable. Tu as vu qui construit en décembre? Mais grand maître, tu n'as même pas l'argent pour acheter le poulet. Comment tu veux qu'on vende les poulets? Ah, est-ce un danger? Grand maître. Tu ignores quoi? Est-ce que j'ai besoin d'argent pour avoir le poulet? Mmh. Hein? C'est aussi ça. Est-ce un danger? Grand maître. Nous serons les vendeurs de poulets. Uh-huh. Hein? Uh-huh. Voilà. Il suffit seulement, tu ignores quoi? J'ignore rien. Voilà. Je pose l'appel. Allons nous concentrer. Elle dit qu'on va vendre tous les poulets si on peut me donner à manger.
Et vous nourrir d'abord, manger. Comme toi, tu dis que là, il va manger ta tête d'abord. Et toi, les ailes là me paraissent d'abord supprimer. C'est ça qu'il va croquer d'abord. Attends. Voilà la personne qui mange vite. Je donne. Toi, c'est ton cerveau qui va couper. Et couper ça, mes dents. Et ah, là, 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 la mère, quoi, elle est folle même dans sa tête. Elle est folle. Je vais vous manger. Là, tu fais ton poulet. Mangez mes bébés. Mangez. C'est la chair. Mais il faut pas dire qu'il veut prendre le poids et vous en dire ça. Ah. Mais je t'ai dit que le business, c'est un grand business. On ne doit pas vendre cher. Hein? Les costauds que j'ai dans les mains là, 2000. C'est que tu as dans tes mains. 1500. Bon, pour que le marché passe vite, tu vas imiter les poulets. Et puis je vais parler. Imite-toi. Encore. Voilà. Comme ça, quand tu imites maintenant, je parle. Allons-y. Poulet, poulet, poulet. Poulet à vendre. Poulet bon cher. Poulet os mangeable. Poulet sans os. Poulet moins cher. Poulet, poulet. Attends, quand tu fais comme ça, c'est comme si la poulet, les poulets là ont mal à la gorge. Ok, grand-mère. Si un poulet mal à la gorge, ça veut dire que le maïs est calé à la gorge. Hein? Là, il faut bien faire le coco-coco là. Poulet, poulet. Coco-coco-coco-coco-coco. Poulet. Coco-coco-coco. Poulet sans eau bien sucré. Coco-coco-coco-coco. Poulet de chair. Coco-coco-coco-coco. Bah, t'as ton poulet là, il y a vieux. Hein? Vieux, grand-mère. C'est pas vieux. Moi, j'ai poulet. Coco-coco-coco-coco. Poulet, poulet, poulet. Poulet avec os mangeable. Bon prix, moins cher. Hey, Dada Sangabame. Hey, 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 hey. Hey, Baba, ça va bien, les gens accouchés. L'enfant, tu m'as mis les poulets où, Seigneur? Hey, hey, pardon, hein. Je ne veux même pas entendre la sorcellerie ici. Hey, mon Dieu. Milena, elle est même passée où? Milena! Moi, je vais me donner mes poulets. Je ne veux rien comprendre. Donne-moi mes poulets. Ça, c'est même quand j'ai d'enfants, ça. On accouche, moi aussi, j'ai accouché. Viens me montrer là où tu m'as gardé mes poulets. Je t'ai demandé d'enlever mes poulets ici. Mais ma, il vient de nourrir les poulets, non? Il y avait tous les poulets, il nourrit tout. Ici, là, il comptait jusqu'à ce qu'il avait croqué la tête de l'autre, il avait croqué les ailes de l'autre. Jusqu'à tu avais même déjà fait le programme sur ça. Donne-moi mes poulets. Mais je ne suis pas en train de rire avec toi. Ma chance. Mais, je parle ou bien, je comprends pas. Il y avait les poulets ici. J'ai nourri moi-même. Tu sais ce que j'ai bien cherché, ma? Je n'ai pas bien cherché, Milena. Aide-moi à chercher. Il y avait les poulets ici, là. Maman, j'ai porté 9 mois, c'est ça ici, là. Le téléphone, WhatsApp, Facebook, c'est toi. Hey, Seigneur.
Parce que toi, tu m'affiches comme ça. Il y a les poulets, il y a compté. 1, 2, 3, 4. Tout, il y a compté. Non, je parle, je ne vois pas ce qu'il parle. Je parle. Tantino! Je vais faire comment pour rembourser l'argent des gens? Tout ce que j'ai seulement fait le prêt d'argent à la réunion pour payer les poulets ici. Parce qu'ils savaient que je devais revendre, je ne vais pas rembourser. L'enfant, si je vais te mettre où? Je te mets où? Seigneur, aide-moi! Pardon, maman, donne-moi mes poulets. Moi, pas tes poulets! L'argent des gens! L'argent des gens! Hey! Mais si tu fumes bien le banga, je ne gagne pas tes poulets. Je fume! Vous voyez le Jacques, vous voyez le Jacques. Non, moi, je n'ai pas pris tes poulets. Il y a compté, il y a nourri, il y a fait. Après, je suis parti. Je prends tes poulets. Je suis parti, super. Non, c'est ça, moi. Il n'y a pas pris tes poulets. Il n'y a pas pris. Poulets pour vos cérémonies, mariage, anniversaire, divorce. Poulets. Bonsoir la mère. Bonsoir voisin. Il y a les poulets moins chers. Il y a la rivage, hein? Oui. Le prix c'est combien alors? C'est ceci là. C'est que j'ai à main là. Uh-huh. Oui, c'est 2000. Oh voisin, toi aussi. 1500. Va 1500. Oh go. 2000, donc les deux à 4000. Donc 3500. Je te donne 2000 et toi. Ouais la mère. Ouais voisin. Et si ton assaut de tous les jours non? Bon, prends. Eh, voisin. Hein? Merci beaucoup. Poulet qui ne chie pas la diarrhée. Je vais tout prendre, je prends tout. Tu prends tout une fois? Tout. Je prends tout. Tout. Il y a encore l'autre à la maison? Non, non, c'est fini. Je vais aller chercher encore marché. Ok. J'ai un livreur. Ah, ok. Bon, bon, tu me laisses quand même le côté. C'est pas le poisson que je vends. Je vais manger ça avec mon fils. Prends même ici là, sur les petits sinon. Non, je prends que le crocé. Poulet de décembre, anniversaire, mariage, divorce, deuil. Hé, voisin. Non, tu es mon. Voilà. Donc si y a un ravitaillement, je reviens encore. Oui, reviens. Ah. J'ai même besoin de 50 poulets. 50? 50. Je paye cash. 50. Tu me livres ça quand alors? Laisse-moi même 2 jours. 2 jours quoi? Parce que je passe la commande à la ferme. Épouser de l'enfance dans cette maison. Là, tu vas aller en mariage. Tu crois que tu vas caler chez moi? On te fait épouser un vieux type comme toi. Merci. Je vais partir en bain. C'est moi qui ai porté 9 mois. Voilà ça. Tu accouches l'enfant, ça te dépasse. Voilà mes poulets, je ne sais même pas par où je vais commencer. Comment? Bonsoir. Bonsoir voisine. Bonsoir ma voisine. Hey. Ouh. Mais tu fais quoi comme ça? Maman, ça me lève. Je suis en train d'allumer le feu. Je vais faire un petit nid sauter là. Maman, je suis en train d'aller à la réunion là. Je venais te dire bonsoir. Maman, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Toi, tu me dis même bonsoir comme ça, la maman. Tu me trouves même, je suis en train de parler seule. Parce que ça me dépasse, je t'assure. Quoi encore?
Maman, laisse-moi. N'est-ce pas, tu sais que je fais l'élevage des poulets pour vendre les fêtes. Oui, tu m'as dit ça dernièrement. Ma soeur, je suis dépassée. Mes poulets ont disparu. Comment ça? Disparu comment? Je dis que ma, l'argent des gens. On a volé, on a cassé ta maison. On n'a rien cassé. Ça s'est passé comment? Je sais que je vais commencer par t'expliquer. Je commence par où, maman? Je te dis, j'ai vu le miracle dans mon poulailler là tout à l'heure. Je demande à ma fille d'aller nourrir les poulets. Quelques minutes après, comme ma, je connais qui est mon enfant que j'ai accouché, je pars regarder si elle a donné la nourriture aux poulets. Je trouvais que mes poulets ont disparu. Ça ne reste seulement deux. Quoi? Tu blagues ou quoi? Je blague l'argent des gens. Maman. Je sais que je vais commencer par où, maman? Tu vas commencer par où, maman? Je suis dépassée. Avec les poulets qui sont devenus même chers là et tout et tout et tout. Toi, tu sais que je vendais mon poulet 5000 francs. Tu vois comment je nourrissais mon poulet, prenait bien du poids. Oui, je sais. Que je vais commencer par où, ma soeur. Mais il y a un vieillard ici là au quartier, maman. Il m'a vendu un costaud poulet comme ça là. À 1500. Un vieillard au quartier, 1500. 1500. Il a l'habitude de venir me vendre les poulets constamment même. 1500, tu es sérieuse? Ouais, comme je t'ai dit là. Je dis, c'est sûr que tu n'as pas bien suivi. Tu as bien suivi ce qu'il a dit. Je t'ai dit que, seulement que je ne remarque pas trop son nom là. Là, il porte souvent un veste noir comme ça là, avec un jean et un chat. Un vieillard, non? Tu es moto. On t'a rien demandé là-bas, ferme ta bouche. C'est que c'est même pas elle qui a volé les poulets là-bas, elle est sur la salle. Bon, alors les enfants d'aujourd'hui. Maman, pardon, il faut l'excuser. Salama a dépassé, elle va partir en bain. Maman, pardon, toi, continue ici là. Tu disais que quoi, maman? Moi-même, là, même comme j'achetais, non. Je disais seulement que, Seigneur, si on, il ne faut pas que ça soit les poulets volés. Ah, mais on, je ne peux pas l'accuser parce que je n'ai pas les preuves, tu vois, non. Je ne peux pas l'accuser. Maman, maman. Parle, mais peut-être ce sont même des poulets. Non, mais je ne suis pas. Quel genre de vie? Tu le vois, je connais pas son nom. Tu comprends pas le père là? Le père qui marche comme ça là. Ferme ta bouche là, va travailler. Oui, il marche comme ça. Tu oui, il se saute comme ça là. Comme oui. Si... oui, moi je connais pas son nom, c'est que je suis nouvelle dans le quartier. 1500. Maman, je vais alors prendre l'argent. Pourquoi acheter encore pour que je. L'argent là non, comme toi tu élèves même les poulets là. Tu prends même si tu prends même 100. Parce qu'il m'a dit qu'il a tellement de poulets que apparemment lui aussi fait dans l'élevage, non. Donc tu peux même aller même te ravitailler là-bas. Hey! Il faut que tu le voies. Oh, l'argent des gens, oh maman, tu vas seulement m'amener vers lui, non. Moi aussi, je dois lui voir. Je ne connais même pas sa maison, mais il lui vient souvent. Attends, dès qu'il vient là chez moi, tu vas seulement t'appeler. Merci beaucoup, moi. Tu vas t'appeler. Vraiment, c'est Dieu en haut là qui t'a envoyé. Je suis déjà en train de parler seul. Je ne sais pas par où je vais commencer. Ça, c'est un miracle. L'argent des gens, maman. Je suis dépassée, oh. À cause du genre d'enfant que j'ai accouché, ça là. Seulement WhatsApp, Facebook, téléphone. L'histoire de WhatsApp, Facebook, là, elle m'est venue gâter la jeunesse camerounaise maintenant que je ne sais même pas. Comme je t'ai dit là. Il manque un pont, viendra. Tous les enfants sont seulement Facebook, WhatsApp. Tiens, c'est que ferme ta bouche là-bas, mal élevé. Ça, c'est même quel genre d'enfant ça. Ta fille, elle est insolente. Maman, il faut seulement l'excuser. C'était pas toi, non. Laisse maman. Tu as fini, tu pars où? Voilà le cas que ta maman a eu. C'est là. Si tu as une fille là, viens la ravitailler. Une ravitaille que c'est ma maison. Là. Je ne sais même pas quand est-ce que toi, la France, tu vas devenir responsable. Hein? On te laisse la responsabilité d'un petit truc suivant. Ah, toi, ça, mais ça, c'est le poulet, ça, faut jouer. Moi, le poulet pèse entre mes mains. Le poulet pèse entre tes mains. Je passe mon temps à m'endetter dans les réunions partout parce qu'on me connaît déjà. Ce sont des notes. Ce sont mes notes. Tu penses que c'est facile pour moi?
Je suis en train d'abréger sa souffrance. Ah. Hein? Est-ce que c'est le poisson qu'on vend? Non. Hein? Hey, j'oubliais. Grand maître, il y a un ravitaillement. Où? Il y a un ravitaillement. Chez la dame là? La même dame là? La même. Elle a encore acheté le poulet. La femme là est têtue. Têtue? Hein? Elle nous aime. De toutes les façons. Hein? On va. On va gérer ça. On va gérer. Elle a pris beaucoup. Beaucoup? Ah, tu étais là-bas ou bien tu as fait comment? T'es en train de guetter, non? Ah, elle passait? Oui. Ah, ok. De guetter. Elle a pris les gros gros là. Les gros, costauds, costauds. Les gros là, on va vendre ça. 2500. Oui. Ce n'est plus 1500 ou 2000. 2500. 2500, 3000. Ok. Bon, je finis avec ceci. On mange. Et on part à la chasse. Voilà. Comme elle était tue là. Si elle mange un seul poulet, le 25, elle change mon nom. La dernière fois, on a laissé deux. Cette fois-ci, on ne doit rien laisser. On ne laisse rien. Voilà. Bon. J'ai fini la question. Entre temps, cherche l'eau, tu me mets dans ma mine. Tenez ici là. J'espère que le tout-ci, comme je suis en train de mettre la remarque là, vous n'allez plus disparaître. Je suis fatiguée que chaque jour tu achètes les poulets, ça disparaît. Comme la voisine me dit que qui vend les poulets là, je vais seulement vous reconnaître. Voilà mes insignes que je suis en train de mettre. Celle-là, elle la file en face, elle n'est jamais à côté. Ah, pour une première fois, tu es là. Toujours au téléphone. Toujours au téléphone. Tu ne peux même pas regarder ce que je suis en train de faire. Va m'amener le singe là. Quand tu refuses de regarder mes poulets, lui serait gardien de mes poulets. Va m'apporter le singe là-bas. C'est bien, me fait un truc, non? Toi qui fais chaque jour, là, on t'a déjà fait quoi? Le singe me fait un truc, non? Tu viens ici, là, je l'attache une fois. Même lui, il ne va pas me décevoir comme cette bonne dame. Tu viens de ta mère. Donne-moi mon singe. Je suis ta mère. Tu restes ici, là. Tu dois surveiller les poulets, si tu vois une personne ici là, mange seulement. Voilà ce qui était dit. Voilà. Comme tu cries là, c'est bon. J'espère que toi, au moins, tu ne vas pas me décevoir. Il allait décevoir. Je t'ai dit ça. Si toi aussi, tu veux faire comme la bonne dame là, comme ta soeur là, c'est bon. J'espère que maintenant là, c'est bon. Ça va. Les poulets sont passés même pour eux.
Parti!